Mon Chirac, c'est pas un personnage ordinaire. Il n'y a pas d'ego, et pas du tout narcissique. L'homme était comme ça, avec un charme extraordinaire. Chirac, petit, séchait l'école pour aller au musée Guimet. Je ne sais pas qui est Chirac. Je ne sais pas vraiment. Un jour, il dit, qu'est-ce que tu connais aux arts premiers ? Moi, j'ai toujours entendu parler de porter l'idée qu'il n'y avait pas d'hierarchie dans l'art. Je le vois s'enfiler une entrecôte de 800 grammes. Quand il souffre, je souffre. Quand il rit, je ris. C'est ça l'amitié. En juillet prochain, cela fera précisément 52 ans que mon chemin a croisé celui de Jacques Chirac. Super. C'était un jour de juillet 1967. J'accompagnais mon père venu accueillir à Orly le général de Gaulle de retour de son voyage au Québec. Un voyage historique au cours duquel il avait prononcé une phrase qui va précipiter son retour en France. Je suis là, dans le pavillon d'honneur d'Orly, et mon attention est captée par un détail. Dans la ligne des ministres, ils sont là, ils ont tous à peu près la même taille. Il y en a un grand, énorme. Ils sont tous immobiles, lui est toujours en agitation. À l'époque, je commençais un peu à m'intéresser à la politique, et on commence à bavarder, on trouve le temps long, il blague... Et à la fin de l'entretien, après avoir fumé quelques cigarettes, je me suis dit, il fumait des Pall Mall. Et je dis, c'est heureux de parler avec vous, je serais bien vous revoir si c'est possible, mais note mon numéro de téléphone, et bien, je t'appelle. Je ne me faisais pas d'illusions. Je rentre dans le pavillon d'honneur, je vois mon père et je dis, mais c'était qui ce grand personnage mais c'est Chirac. Il a un grand avenir politique. Ce Sagittaire, bien que né à Paris en 1932, a toutes ses racines en Corrèze. Ce fils unique a deux grands-pères maîtres d'école et un père cadre dans l'aéronautique. Enfant et élève sans histoire, il ne se mettra à bûcher qu'en terminale et à Sciences Po pour préparer l'ENA qu'il n'intégrera qu'après un séjour de volontaire en Algérie. Je suis parti en LNT sur un bateau comme pilotin et quand je suis revenu, j'ai eu l'intention de faire une carrière de... lieutenant au long cours, dans la marine marchande. Marquez, il y a des similitudes entre la navigation au long cours et la politique, de toute façon. Oui, c'est vrai. La navigation au long cours, caractéristique d'aller généralement tout droit. Jacques Chirac, 34 ans, jeune et fougueux secrétaire d'État du gouvernement Pompidou depuis moins de 4 mois. Moi, je n'ai que 22 ans, un diplôme de droit en poche et une carrière de magistrat pour toute perspective. Je ne peux pas dire que c'est lui qui m'a... incité à entrer dans une carrière politique. Simplement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, alors que le monde politique qui se termine est souvent résigné, sceptique, lui, au contraire, il n'est pas replié, sceptique, il a envie d'aller de l'avant. Se dégage du personnage une espèce de volonté. Et l'envie qu'il a, elle est communicative. Je l'ai rencontré la première fois, il était à la mairie de Paris, mais depuis peu de temps, donc c'était fin des 76, 77, 78, je ne me rappelle plus. Et je l'ai rencontré parce qu'il y avait une usine à Meymac, en Corrèze, la région dont il était député, qui cessait son activité. Et ça lui pose un problème économique local et pour lui, un problème de l'homme politique engagé qu'il était. Donc, je me reçois dans un immense bureau, beau bureau de la mairie de Paris. C'était l'automne ou l'hiver, je ne me souviens plus. Il y avait du feu, il met des bûches dans la cheminée pour me mettre à l'aise. Et il m'explique le problème. Il me dit, c'est pas compliqué. Si cette affaire ne repart pas, n'est pas reprise, c'est ma carrière d'homme politique qui est compromise, je ne veux pas m'en remettre. Je sors du bureau avec cette immense responsabilité. Et le lendemain, le surlendemain, je dis, OK, je reprends l'entreprise et... Donc j'aurais sauvé la carrière politique de Jacques Chirac. Mais l'homme était comme ça, avec un charme extraordinaire et surtout une immense force de conviction.
Et 6 ans après, alors qu'il est devenu ministre de l'Agriculture, il m'appelle un jour et me dit « Est-ce que c'est toi qui as envie de faire la politique, est-ce que tu rentrerais dans mon cabinet ?» J'ai dit « Oui, tout de suite, oui. » C'est une expérience. Et donc, je suis rentré pour la première fois, en dehors des fois où je allais voir mon père dans un ministère, rue de Varennes, au ministère de l'Agriculture. Pour Chirac, c'est une sorte d'initiation au monde de la politique que je connais déjà un peu, mais qui est en train de transformer. Des petits détails ne trompent pas. Je me souviens, il déjeunait régulièrement avec ses collaborateurs. Et donc, une fois par semaine, on déjeunait avec lui. Et c'est d'ailleurs là où je me suis aperçu qu'il avait un appétit absolument fantastique. J'ai un peu faim. C'est là, pour la première fois, où un matin, il m'a dit « Tu m'accompagnes à Rungis ». Et là, j'ai été fasciné. Car il est 4 heures du matin, mal à me réveiller à 4 heures du matin, on y va, on passe en revue les bouchers, les artistes, tout, et on finit au petit déjeuner, il est 8 heures. Et là, je le vois s'enfiler une entrecôte de 800 grammes. J'avais du mal à prendre mon café, les gens qui étaient autour de lui, de Rungis, sont un peu surpris. À la vôtre. Mais lui, très bien, il boit ça, il hop, 2-3 bières. Il est 8 heures du matin, on s'est levé depuis 4 heures. Lui est en pleine forme. Ah, il est excellent. Ah, il est tout à fait remarquable. On rentre sur Paris vers 10 heures, et puis on arrive au ministère et on déjeune ensemble. Oui, vous avez faim ? Ouais. Et à midi ou 1 heure, on a recommencé à déjeuner. Et là, je me suis dit. C'est pas un personnage ordinaire. Un peu de Sancerre. Volontiers. Boire entier, du punch. Monsieur Chirac portera ainsi 9 fois un verre à ses lèvres. Du chirouble, du schnapps, du genièvre, rien ne lui sera épargné. Mais j'ai découvert autre chose. J'ai découvert quelqu'un qui était profondément heureux, qui allait au-devant des gens, et les gens le ressentent. Bonjour Marcel, comment ça va ? C'est pas ça, comment allez-vous ? Donc il va, M. Couder, ça va santé, ça se maintient. Et je me suis dit, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Et Chirac aime les gens. Vous aimez les gens? J'aime les gens, oui. Plus je le côtoie, et plus je devine en lui un destin national. Son ascension est fulgurante. À la mort de Pompidou, Chirac fait campagne pour Valéry Giscard d'Estaing et devient son premier ministre. Vous le vouliez plus jeune que vous, monsieur le président ? Je le voulais compétent et il est pas mal. Son style tranche avec celui de ses prédécesseurs. Il n'hésite pas à prendre ses distances avec sa propre majorité sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Au moment où Madame Veil mène le combat pour la légalisation de l'avortement, il est un des rares premiers ministres. Elle était donc son ministre de la Santé, bien entendu à la soutenir, mais il va jusqu'à aller physiquement à l'Assemblée en pleine nuit parce qu'il y a tellement de déchaînements, de violences dans l'hémicycle contre elle qu'elle a vraiment besoin d'être physiquement soutenue. Et Jacques Chirac y va en pleine nuit pour la soutenir jusqu'à ce que le texte passe. Pour 284, contre 189, l'Assemblée nationale a adopté. Le duo exécutif a beau dépoussiérer la vie politique, il fait assez vite le constat de son incompatibilité. Mais alors, vous n'avez pas le sentiment d'être pris au piège dans la majorité depuis 3 ans ? Vous dire que je me sens tout à fait confortable dans la majorité, monsieur Duquesne, serait sans aucun doute tout à fait excessif. En 1976, Chirac claque la porte de Matignon et se lance à la conquête de la mairie de Paris. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. 1981 marque sa première course à l'Élysée. C'est la seule fois de ma vie où je ne vais pas le soutenir. Mon père est aussi candidat. Chirac le comprend. Tous les deux sont battus et Mitterrand est élu face à Giscard. Une épreuve est toujours quelque chose d'utile. Un mois plus tard, il se présente aux élections législatives en Corrèze et son concurrent est à l'époque un illustre inconnu. Président. Monsieur le Président. C'était en Corrèze, j'étais candidat aux élections législatives, lui aussi. C'était pour moi la première fois, pour lui, il avait déjà une certaine expérience
Et il était maire de Paris et ancien Premier ministre. Et j'étais envoyé par le Parti Socialiste pour essayer de conquérir une circonscription ingagnable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'y avait envoyé. Et Jacques Chirac avait eu cette formule, je ne sais pas si elle est juste, si elle a été rapportée ou inventée, mais elle n'était pas tout à fait fausse, que j'étais moins connu que le labradeur de François Mitterrand. Mais après, dans la campagne, j'avais été lui porter contradiction. Ce n'est qu'en 1986, lors des élections législatives remportées par la droite, que nos destins politiques vont se recroiser. Je suis élu pour la première fois député de l'Eure et Chirac est rappelé à Matignon. La campagne présidentielle qui suit se solde par un nouvel échec. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître et je m'incline devant son choix. Mais nous nous retrouvons sur les bancs de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard. Il est député, je suis député, nous avons une proximité. Je suis assis à côté de lui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est très difficile, avec Chirac à côté de soi, d'être concentré et d'étudier. Il y a toujours une histoire à vous raconter. Il sort des papiers avec les origines de l'homme et il me dit « T'as vu, regarde, regarde ». Je dis « Monsieur, oui, l'origine de l'homme, mais pour l'instant, c'est à l'Assemblée nationale ». Et il nous emmerde. Mais un jour, il me dit « Qu'est-ce que tu connais aux arts premiers ?» C'est pas grand-chose. Mais c'est pas possible. Le lendemain, mercredi, question d'actualité, il revient avec un dossier comme ça. Jusqu'à mardi prochain, tu as à lire tout ça. Je suis terrorisé. Parce que c'est très compliqué, il jongle dedans avec les périodes, etc. Le mardi suivant, il revient, et la première chose qu'il me dit, en s'asseyant à côté de moi, alors, tu as tout potassé ? Ouais. Alors je vais t'interroger. Si on va écouter les orateurs quand même. Non, toi. Et commence à poser une question. Je réponds complètement à côté de la plaque, j'y comprends rien, etc. Il me dit, t'as travaillé ou pas ? Je me dis, d'abord, je sais pas que ça à faire, j'ai mes électeurs, et puis ça me passionne pas, votre truc, ça me passionne pas. Ça passionne pas ? Attends, on s'en va ensemble. La séance se termine. Alors, il y a quelques journalistes qui l'interrogent. Vous avez beaucoup discuté avec Chirac. Qu'est-ce que vous avez raconté? Quelle stratégie? Secret. Je sors avec lui, il me fait monter dans sa voiture et on va directement chez un spécialiste. Le spécialiste et Chirac ne font que parler. Au bout de 5 minutes, il m'avait oublié et j'ai toujours rien compris. Chirac discutait avec Brunet et Coppens comme un paléontologue lui-même, sur les dates, les trucs, parce qu'il travaillait énormément. Bonjour professeur. Monsieur le Président, bienvenue dans ma grotte. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Il me posait beaucoup de questions sur la manière de découvrir l'âge des fossiles, sur la manière dont les filiations s'enchaînaient, sur... le rôle de l'Afrique aussi, qui était surtout mon terrain de chasse, si je puis dire. Donc c'était toujours beaucoup de questions, oui. Beaucoup de questions qui montraient que non seulement ça l'intéressait, mais en plus, il y travaillait lui-même un peu, enfin il lisait sûrement un peu, ou se documentait de toute façon d'une manière ou d'une autre. 1993, le RPR remporte les élections législatives, Chirac refuse de retourner à Matignon, et demande à Mitterrand de choisir Balladur pour diriger le deuxième gouvernement de cohabitation. Le contrat est tacite entre eux. À lui, le rôle de Premier ministre, à Chirac, celui de se préparer à la présidentielle de 1995. Et là, il va s'ouvrir une période qui va véritablement renforcer l'affection que je porte à Jacques Chirac. C'est ce que j'appelle la marche vers l'Élysée. Une marche qui ne se passe pas du tout comme prévu. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Bien, merci à vous. Bon, au revoir par là. Nous sommes ici dans ce palais de l'Élysée, dans ce salon des ambassadeurs. Et chaque fois que je suis là, c'est un moment d'émerveillement, parce que la beauté de ces lieux. Mais je me souviens du combat qu'il a fallu à Jacques Chirac pour
pour arriver ici. Vous voyez si les balcons sont beaux, là. En 93, Chirac me dit, Édouard Balladur a constitué un petit groupe de réflexion autour de lui, vas-y. Et à chaque fois, je revenais voir Chirac, je me disais, monsieur, mais Balladur est en train de préparer sa candidature. Si je suis candidat, c'est afin de préparer la France au prochain siècle. Non, non, non. Et puis il y avait une atmosphère qui était une atmosphère de trahison. Vous voyez, tous vos camarades qui siègent avec vous à l'Assemblée nationale ne plus vous regarder dans les yeux. Quand vous leur demandez quelque chose, ils sont fuyants. Et là, je sens bien que, dans l'entourage même, dans les proches, le doute s'est installé. Édouard Balladur est toujours celui qui, dans la majorité, est le plus susceptible de rassembler le plus grand nombre de nos compatriotes. Décembre 94, Jacques Chirac va faire tourner à La Réunion. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est bien parti? Il dit, pas forcément. Et à ce moment, il sort vers moi et me dit, si je ne suis pas élu, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que je ferai, moi, avec tout ce que vous m'avez fait balancer contre Balladur? Si vous n'êtes pas élu, c'est Balladur, et moi, je prends le maquis. Hein. Je me remets dans mon tribunal, et puis je bouge plus. Et bien, donc, j'ai une autre idée pour toi. On va ouvrir une agence de voyage, tu vas la tenir, et moi, je voyagerai, me dit Chirac. Et on a éclaté de rire, et c'est une des rares fois où Chirac a imaginé, à l'instant, que peut-être il ne serait pas élu. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? De temps en temps, détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça? Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien, M. Chirac, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un lundi, et je trouve Chirac heureux comme je ne l'avais jamais vu. Souriant, et me dit, tu sais. Le dernier sondage BVA montre une baisse brutale des intentions de vote en faveur du Premier ministre. Balladur descend, moi je monte. Et donc, enfin, on va y arriver. Le Chirac vient de sortir de l'hôtel de ville, vous devriez le voir à l'image actuellement. Une horde de motards l'accompagne. Pourtant, la voiture de Jacques Chirac respecte les feux rouges. Et nous passons à la hauteur de la Concorde devant l'Assemblée nationale et M. Chirac ne s'arrête pas, il continue. C'est le bain de foule qui attend le héros. Nous sommes le soir de la victoire. Chirac va saluer la foule qui est dans la rue d'un balcon en face de son quartier général. Et au moment où nous arrivons là, c'était déjà installé sur le balcon tous les traîtres qui voulaient être là pour être du côté de la victoire. Et à ce moment-là, Chirac prend ma main, il me dit « Tu viens et on va dégager tous les mecs. » Et on a dégagé à peu près tous les types qui étaient là, qui attendaient pour être, car ils savaient que ça serait la photo. Il ne faudrait tout de même pas que, quelles que soient nos opinions politiques, aussi fraîchement élus, ils nous fassent une chute du premier étage, ce serait tout de même un petit peu dommage. Chirac m'avait dit, si je gagne, je te nommerai ministre de l'Intérieur. Le lendemain matin, il m'appelle et me dit, je te confirme que tu seras ministre de l'Intérieur. Tu ne dis rien à personne. Il est 15h et Jacques Chirac effectue sa première visite privée chez l'un des pères de la Constitution, Michel Debré. Il est allé voir mon père, qui était très malade. Et il lui a dit, Jean-Louis va devenir ministre de l'Intérieur. Et à ce moment-là, mon père m'a fait venir, était mourant, il allait mourir quelques mois plus tard. Et dans un effort énorme, il m'a dit, je suis très heureux pour toi, mais souviens-toi d'une chose, on est plus longtemps ancien ministre que ministre. La promesse est tenue, et quelques jours plus tard, le nouveau gouvernement, au grand complet, pour la traditionnelle photo de famille. Premier conseil des ministres,
Et je rentre. Et Chirac vient me voir et il veut m'embrasser. Et je lui dis, non, monsieur, on s'embrassera après. Et puis, le conseil se termine. Et je monte dans son bureau. Et je lui dis, monsieur le président de la République, pour la première fois de ma vie, je vais embrasser un président de la République. Fantastique. Le septennat commence et je deviens donc un très proche voisin de Chirac. Et je venais régulièrement. D'ailleurs, c'est pas anodin que le seul ministère qui se trouve près de l'Élysée, c'est le ministère de l'Intérieur. On disait jadis, mais j'ai jamais retrouvé, qu'il y avait un souterrain qui reliait cet hôtel au ministère de l'Intérieur. Quand je rentrais dans son bureau, la première chose qu'il me disait, ne me dis pas ce qui va bien. Ils sont tous autour. Il faisait ce geste-là, vous savez, comme il fait. Tous ses collaborateurs, ils sont tous à me dire ce qui va bien. Toi, dis-moi ce qui ne va pas. Mais nos rendez-vous sont parfois très très loin de nos dossiers politiques. Il me faisait venir le dimanche matin. Et quand j'arrivais, très souvent, la télévision était allumée et il y avait des matchs de sumo. Eh bien, on va regarder un match, monsieur. Vous m'avez fait venir, un dimanche matin pour aller regarder un match de sumo. Ces énormes tas de graisse. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et là, pendant une demi-heure, il m'a raconté les règles du sumo, cette lutte extrêmement... Sa passion pour les sumos faisait parfois sourire dans le microcosme politique qui a souvent considéré Chirac comme un culte. Ses goûts étaient caricaturés, mais il entretenait le mystère. Il a une part de sa part intime cachée. Sa passion par exemple, le sumo. Je sais que j'avais des amis qui m'envoyaient des photos, des trucs de sumo, je montrais, c'était incroyable. Il les connaissait tous, il connaissait leur histoire, les matchs qu'il avait faits, c'était impressionnant. Le sumo, c'est plus qu'un sport, c'est pas un sport. Vous avez là l'homme qui est Kenno Fuji, qui est l'un des plus grands sumotori, un homme tout à fait extraordinaire. Vous voyez, il se bat contre quelqu'un qui fait 240 kilos, lui en fait 130, et il va gagner. Quand vous vous y mettez à regarder avec lui, et qu'il vous raconte, il y a autre chose que... deux personnes qui s'affrontent. Il y a quelque chose de l'ordre rituel. Et le rituel, c'est ce qui donne toujours du sacré. C'est l'art d'une civilisation, c'est l'expression d'une psychologie, c'est très au-delà d'un sport. D'ailleurs, les sumotori sont des gens qui sont considérés au Japon un peu comme des demi-dieux. Moi, j'ai le sentiment que même son rituel de dire ou de ne pas dire, de cacher ou de ne pas cacher certains aspects de sa personnalité. C'est aussi quelque chose de sacré qu'on doit respecter. Il n'étalait pas ses cultures, il mettait même un point d'honneur sur celui qui ne connaissait rien du tout. Vous savez, je connais bien qu'est-ce que vous aimez, la musique militaire. Et puis, voilà, c'est... Mais derrière tout ça, c'est un homme d'une grande culture. Je me souviens d'avoir suivi une fois en Chine un voyage. On visite le musée national à Pékin. Et Chirac se laissait expliquer par ce conservateur les bros archaïques chinois. À un moment, il en prend un. C'est lui, à la fin de l'exposition, c'est lui qui a expliqué au conservateur. Tout le monde était bluffé. Un superbe paravent de la fin du XVIe siècle, l'époque Momoyama, qui est une pièce tout à fait exceptionnelle. Je suis sûr que quand j'allais voir avec lui l'exposition, où il était capable de me dire sur 200 statuettes toutes les différences d'origine. C'est impressionnant. Un jour, il m'a fait appeler d'Afrique du Sud. Il était en visite chez le président sud-africain, qui lui présente son gouvernement. Et il me dit, écoute, il se moque de moi. Il me dit qu'il a sa ministre, elle est noire, et il me dit qu'elle est juive. Je lui dis, elle doit être une lamba. Donc, je lui ai envoyé une note sur les lambas. Mais deux semaines après, il était plus calé que moi sur les lambas. Là où tous les parlementaires vont cacher lui ou Playboy derrière un livre de poésie japonaise, Chirac va cacher le livre de poésie japonaise derrière un Playboy. Je me suis toujours interrogé sur le fait de savoir pourquoi Chirac avait véhiculé de lui, en ce qui concerne la culture, une image totalement
totalement négative et totalement voilée par rapport à la réalité. Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il s'est construit un personnage. C'est un personnage qui aime le peuple, c'est un personnage que le peuple aime. Il veut être comme tout le monde, la bière. Alors, la bière, c'est vrai, les westerns. Mais il y a aussi le fait que c'est son jardin secret. C'est ce qui lui appartient. Et c'est ce qui relie à lui quelques-uns de ses plus proches amis. La bière, plus qu'une habitude, une véritable passion. Il est en voyage officiel en Tunisie, chez ce grand démocrate qui est Ben Ali. Déjeuner officiel, devant les verres, il y a un verre où il y a du liquide blanc. Alors Chirac prend le menu et m'écrit « Ne bois pas ça, ça fout mal au ventre ». Il y a un autre terme, mais je passerai. « Tu me trouves une bière ». Table du président de la République tunisienne, on ne boit pas de bière. Donc, je me penche vers mon homologue tunisien, Mohamed Jam, et je dis, tu sais, moi j'ai un président, il est terrible. S'il n'a pas sa bière, je ne suis plus ministre. Voilà, c'est comme ça, il est accro. Il y en a qui sont accro à la drogue. Lui, c'est la bière. Il faut sa bière. Alors, il appelle un maître d'hôtel, et au bout de quelques minutes, on voit Mademoiselle arriver avec un verre entouré d'un linge blanc. Alors je griffonne tout de suite sur le papier à Chirac, disant, bien élevé, doucement, ne dites rien. Chirac prend le verre. Hop, elle est excellente cette bière. Le président de la République tunisienne tire une gueule, les ministres tunisiens tirent une gueule. Moi, bon, ça fait marrer. Les deux premières années de son mandat sont difficiles. Monsieur Juppé, attention ! Les réformes Juppé passent mal et la dissolution de l'Assemblée nationale tourne au fiasco politique. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Chirac est contraint à une cohabitation de 5 ans avec Lionel Jospin. Cohabitation qui aiguise à nouveau les appétits conquérants de ses vrais faux amis. Il y a une fronde terrible contre Chirac. Les gens à chaque fois me disent « Ton Chirac, il n'aurait pas dû dissoudre. Ton Chirac, il est complètement has-been. Ton Chirac, c'est fini. » Pendant cette période, on va voir réapparaître un certain nombre d'appétits, des gens qui doutent sur Chirac et qui se préparent, notamment Sarkozy, qui n'arrête pas de dire du mal de Chirac. Mais ça, c'est la politique. Vous savez, l'ennemi politique, c'est pas l'adversaire, c'est son propre ami. C'est de lui que viennent les attaques les plus dures, les plus déstabilisantes. Il avait à la fois beaucoup d'amis dans sa famille politique, mais aussi beaucoup d'ennemis. Parce que c'est souvent auprès des siens que l'on a les défections. Donc la fidélité, la loyauté, ce n'est pas simplement une amitié. C'est aussi une ligne de conduite. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut se méfier de ses propres amis politiques. Oui, parce que ce ne sont pas toujours des amis. Oui, le même si ils sont dans le même mouvement, ou dans le même parti. Un ami, c'est celui qui est capable, quelquefois, même quand il n'est pas d'accord, et ça a dû arriver à Jean-Louis Debré à l'égard de Jacques Chirac, de défendre, de tenir et de rester. L'amitié, elle est importante. C'est plus agréable de mener combat avec des amis que de mener combat avec des gens avec lesquels on ne se sent pas forcément bon. Mais c'est quand même deux choses différentes. Enfin, moi, personnellement, je ne les lis pas. La campagne est très dure. Moi, je... Pendant longtemps, j'étais très pessimiste sur l'issue de la deuxième campagne. Et puis les circonstances ont fait que le candidat du Front National est passé devant Lionel Jospin. Ça a permis l'élection de Chirac. Voici Jacques Chirac, 82,1% des voix, selon notre estimation Ipsos Visali. Cette victoire de 2002 n'est pas une victoire comme les autres. Elle donne à Chirac une stature inédite et lui impose un devoir de rassemblement. Ce soir, nous célébrons la République. Un rassemblement qui va jusqu'à Nicolas Sarkozy. Sarkozy, c'est un sujet dont on ne parle pas. Il connaît mon aversion pour le personnage. Il sait de toute façon
que ce qu'il fait, je ne l'approuverai pas. Sarkozy aura des phrases très dures sur Chirac. Chirac sera forcé à la télévision de dire « c'est moi qui décide et l'exécute ». Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Auparavant, je vais voir Chirac, j'ai dit « virez-le ». Vous ne pouvez pas accepter qu'un ministre de l'Intérieur critique le président de la République. C'est la preuve que quelqu'un n'a pas le sens de l'État. Mais Chirac, là, il est... Vous savez, dans Chirac, il y a un peu de radical socialisme. Bon, vous voyez, on rassemble. On ne t'énerve pas. Jean-Pierre Raffarin se rend à l'Élysée pour déposer sa démission, acceptée par Jacques Chirac. Un jour, il était assis sur le canapé, il me dit « Je vais te nommer Premier ministre ». Et je lui dis « Mais vous plaisantez, vous plaisantez. C'est pas un métier fait pour moi. » Et il a souri. Il a souri et on en est resté là. Et j'avais ajouté « Il y en a déjà eu un dans la famille, ça suffit. » Villepin devient son dernier Premier ministre. La fin du deuxième mandat s'annonce. Une période difficile que j'ai déjà connue avec mon père. Il n'en parle pas, il ne m'en parle pas, mais moi je suis préoccupé. Et je suis préoccupé parce que j'ai des souvenirs d'enfance. Un jour j'arrive à la maison, avec 15 ans, plein de bonbons, plein de fleurs, le téléphone sonne, beaucoup de gens, ça s'agite partout, on rentre, on sort. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père est Premier ministre. Trois ans plus tard, j'arrive à la maison, plus de bonbons. Plus de fleurs, plus personne. Votre père est dans son bureau en train de fumer la pipe. Il s'ennuie mortellement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est plus rien. Et j'ai raconté cette histoire plusieurs fois à Chirac. Parce que quand vous passez de 400 à l'heure à 2 à l'heure, et la politique est ainsi faite que le jour où vous partez, tous les bons amis que vous avez autour de vous, tous les courtisans qui sont là, qui vous disent « Monsieur le Président, que vous êtes bon, que vous êtes... Mais vous avez été remarquable !» Tous ces gens-là, le lendemain, ils sont allés voir le suivant. Il vient à Lassay, je suis à Lassay, et il me dit « Je vais te nommer président du Conseil constitutionnel. » Non. Bon, mais je vais te nommer président du Conseil constitutionnel. Et chaque fois que je le vois, il me répète « Je veux te nommer ». Je dis « Mais attendez, pourquoi voulez-vous me nommer président du Conseil constitutionnel? Je suis très bien comme président de l'Assemblée nationale ». Il m'a dit « Jean-Louis, ma première nomination importante, c'est toi au ministère de l'Intérieur. La dernière nomination importante que je veux faire avant de quitter le pouvoir, c'est toi. Et c'est pour ça que j'ai accepté ». Demain, je transmettrai les pouvoirs que j'ai exercés en votre nom à Nicolas Sarkozy, notre nouveau président de la République. 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy est investi président de la République. Chirac quitte l'Élysée avec ce signe de la main qu'il avait déjà au soir de sa victoire 12 ans plus tôt. En tant que président du Conseil constitutionnel, c'est moi qui investit le nouveau président devant une partie de ceux qui doivent toute leur carrière à mon ami. Mon Chirac que je retrouve quelques jours plus tard, ici, dans l'un de ses restaurants préférés, le Récamier. Alors nous sommes aujourd'hui au Récamier, et là où Jacques Chirac venait régulièrement. Bonjour. Voilà. Il venait régulièrement le samedi, il allait voir la cuisine. Alors c'est la bourre, hein, c'est un peu la bourre. Boire sa bière en cuisine même, et il me demandait toujours, alors c'est quand ma tête de veau? Parce qu'il n'y a pas de tête de veau. Non. Là, il y a un truc secret. Il y a un truc secret, tu vois. Ça, c'est très, très bon. Et ça, alors là, qu'est-ce qu'il prenait? Alors, il prenait un soufflé, il prenait une bonne viande, il prenait une terrine et surtout la bière. Voilà. La bière. Il buvait beaucoup de bière. Deux ou trois bières. Voilà. Merci, au revoir. Et à ce moment-là, j'ai pris l'habitude d'aller le voir tous les jours. Il ne parlait pas de son passé. D'ailleurs, je ne voulais pas lui en parler, car le temps n'était pas venu.
Et puis Chirac n'est pas, comme certains présidents, obsédé par l'image qu'il va laisser. Un jour, je lui dis « Ah, il faudrait que vous écriviez vos mémoires. » Et il me dit « Une vache ne retourne jamais deux fois à l'abreuvoir. » Alors on parlait de tout, de rien, et je faisais ça d'abord pour lui montrer qu'il n'était pas seul et qu'il y avait toujours autour de lui beaucoup de monde. Quand j'avais le sentiment qu'il commençait à s'ennuyer, je lui disais « Que pensez-vous de votre successeur ?» Et ça avait comme conséquence de lui permettre de me faire quelques phrases bien senties. Alors il m'est arrivé un jour d'aller en vacances avec lui. Il m'appelle et il me dit « Tu viens me retrouver à Saint-Tropez. » Qu'est-ce que j'allais faire, monsieur, à Saint-Tropez ? C'est vraiment pas mon univers. Si, viens. Je l'ai appelé, j'avais vu une photo, je crois que c'est dans Paris Match, ouais, gardé par terre, c'est pas... Je l'ai appelé en disant, viens donc faire un tour à Saint-Tropez, il y a du soleil, et il est venu. Et là, j'ai le sentiment que ma venue lui procure beaucoup de plaisir. Il me dit, j'ai trouvé un petit restaurant sur la plage, et la cuisine est bonne. Parfait. Au moment où nous arrivons devant le restaurant, Madame Chirac arrive en même temps. Et là, je découvre ce qui va être l'objet de quelques problèmes. Les serveuses ont les seins nus. Mon Chirac, heureux, content de son petit coup, d'un côté de la table, très contracté, de l'autre, t'as vu, on rentre, et le soir, au moment du dîner, Mme Chirac me dit « Vous avez quand même des idées curieuses. Emmener Jacques Chirac dans un restaurant où les femmes ont les... » Mais ça veut dire quoi, ça ? Je dis « Madame, je voulais le distraire. » C'est ça l'amitié. C'était pas un long fleuve tranquille, la vie avec Jacques Chirac. Tous les matins, il me répète « Vous savez que vous avez une chance immense de m'avoir épousé. » Et il en est convaincu. Je trouve que ma femme a raison. Quand elle affirme qu'elle a eu beaucoup de chance de m'épouser. Mais pour dire la vérité, la réciproque est également vraie. C'est aussi une chance pour moi de partager avec lui aussi bien des instants de détente que des moments sérieux. On parlait beaucoup parce que c'était un thème qu'il aimait beaucoup sur le dialogue des cultures. À l'époque, c'est le musée Jacques Chirac, c'est changeons cette... mentalité aujourd'hui où on oppose des cultures, où on oppose des croyances, pour au contraire arriver à ce dialogue des cultures et des croyances. Moi j'ai toujours entendu parler de cette préoccupation qui était la sienne, de porter l'idée qu'il n'y avait pas d'hierarchie dans les cultures, bien entendu, mais pas plus de hiérarchie dans l'art. Et que tous les arts de toutes les civilisations étaient porteuses de chefs-d'œuvre. Il avait déjà imposer au musée du Louvre une salle ou des salles d'art premier. Et ça a été un combat entre Jacques Chirac, qui était déjà président de la République. Donc bon, on pourrait imaginer que si Jacques Chirac, président de la République, il voudrait quelque chose d'utile à la collectivité, on peut supposer quand même que ça ne doit pas être complètement impossible. Et bien ça a été un combat très dur entre lui, président de la République, et le patron du Louvre à l'époque. Les conservateurs, comme il aimait les appeler, ils portent bien leur nom, ceux-là, les conservateurs, ne voulaient pas entendre parler d'art promu au Louvre. C'était pas digne d'un musée comme le Louvre. Et ça titillait Chirac, qui mettait un point d'honneur à mettre au même niveau toutes ses créations artistiques. Et c'est pour ça, en fond, qu'il a voulu imposer au Louvre cette aile d'art premier. Et ensuite, il y a eu la grande bataille pour le Quai Branly, dans laquelle il s'est engagé et qu'il y tenait beaucoup. Le musée des arts premiers, des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, du Quai Branly, est inauguré en 2006. Il sera rebaptisé 10 ans plus tard, musée Jacques Chirac. Et on lui doit, faut jamais oublier qu'on lui doit cette appellation d'art premier, plutôt qu'art primitif, qui était... art primitif, c'était un peu subalterne, les primitifs ne savent pas faire, nous on sait faire. Je me rappelle dans un dîner en Afrique du Sud... Jacques Chirac était juste en biais, on n'était pas loin. Je lui dis, je me demande qui a eu cette idée stupide d'appeler ce musée « Musée des arts premiers ». Il m'a dit « C'est moi !» Il m'a dit « C'est moi !» J'ai dit « Monsieur le Président, c'est trop tard, je l'ai dit. »
Les arts premiers, c'est quoi? C'est le premier caillou taillé. Le fait de prendre un caillou, d'en prendre un autre, ça fait une forme, une autre forme. On tape sur le premier et le deuxième et on sort une troisième forme. C'est déjà une création. Donc c'est 3 millions d'années et c'est pas ça. En réalité, dès qu'il est enfant, il est déjà complètement ouvert sur le monde. Moi, qui ai un fils, vous qui avez aussi des enfants, j'aurais adoré que l'école m'appelle un jour pour m'expliquer que mon fils avait séché l'école pour aller au musée. Bon, Chirac, assez curieusement, petit, séché l'école pour aller en effet au musée Guimet. Ce côté indiscipliné, Chirac l'aura toute sa vie. Indiscipliné et même parfois provocateur. Chirac aime sortir des sentiers battus, aime provoquer. Je me souviens un jour, un journaliste dit, mais monsieur le président, vous faites du sport? Il dit, oui, je fais des barres parallèles. Alors je regarde des barres parallèles. Oui, un bar rive droite, un bar rive gauche. Réfléchissez deux minutes. C'est pas excessif. Merci. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas. Hein. Non. Parce que deux minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a pris pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. Désolé. Chirac avait un humour très particulier. C'est un humour politique. C'est-à-dire que la phrase qui sort est une phrase qui est destinée à être reprise et à bloquer son adversaire. Je me souviens toujours, monsieur le président, on dit que vous êtes de gauche. Alors, il pourrait partir dans un grand discours en oui, non, mais peut-être incompréhensible. Sûrement que je suis de gauche. Je bois la bière et je mange la choucroute. Tout est dit. Quand j'étais au Conseil constitutionnel, j'avais Chirac d'un côté, Giscard de l'autre. Je ne sais pas si je peux vous raconter la première séance. On examine un texte sur la lutte contre l'immigration illégale. Et tout d'un coup, mon voisin de droite va dire quelque chose. J'ai été président de la République. Le problème de la lutte contre l'immigration se posait déjà à cette époque. Mais mon premier ministre n'était pas très bon sur ces questions. Je regarde à ma gauche. Chirac ne bouge pas. Je me dis sauvé. Il n'a rien entendu. 10 minutes plus tard, Chirac, est-ce que je peux m'exprimer? Je veux parler. Et moi aussi, j'ai été président de la République. Mais moi, j'ai été réélu. J'ai été forcé de suspendre la séance. Les séances du Conseil constitutionnel ne remplissent pas l'agenda de Chirac. Le rythme de ses rendez-vous ralentit. Et il se retrouve confronté à ce que tous les présidents découvrent en quittant le pouvoir. La défection des faux amis. Puis le jour où vous n'êtes plus au pouvoir, où vous ne pouvez plus distribuer les postes ou les bénédictions politiques, alors progressivement, chaque jour, un peu plus, vous voyez la solitude entourer le personnage. Et j'ai vécu ça avec Chirac. Moi, je me suis toujours dit, compte tenu de ce que je lui dois, je serai toujours à ses côtés. Il y a incontestablement une dimension personnelle amicale, en effet, affectueuse même. Hein. Je pense que c'est presque... Oh, c'est filial, hein. C'est pour des tas de raisons d'ailleurs que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu, mais qui sont quand même de l'ordre de l'histoire de familiale, qui est forcément une histoire qui se mêle à l'histoire du pays. Filiale, je pense, est le bon mot, parce que au-delà de cette aventure, de ce destin politique, reste la relation entre deux hommes qui certes n'ont pas le même âge, sont pas de la même génération, car Chirac pourrait être votre père en réalité. Mmh. Au-delà de ça, restent deux hommes et Jean-Louis qui, parmi les très très rares, on va dire, qui ont accompagné, au-delà de la gloire, au-delà de l'histoire, au-delà du destin. Jean-Louis est là. Et Jean-Louis est là comme il aurait été sans doute avec quelqu'un de sa famille. Je vais pas dire son père, je me permettrai pas, mais du moins quelqu'un de sa famille. Calme. Très il y a une femme qui n'a pas manqué à l'appel de ses vrais amis après son départ de l'Élysée, Céline Renaud. Depuis leur première rencontre en 1975,
la chanteuse et comédienne avait suivi le parcours de celui qui se révéla à plusieurs reprises davantage qu'un ami. L'amitié, c'est aussi quand ça va mal. Le 31 décembre, donc, 1994, Loulou était à une semaine de partir. Et je vois des phares de lumière, des phares de voiture, je veux dire, arriver chez moi. Je pensais que c'était les infirmiers. Et d'un seul coup, entre Bernadette et Jacques, puis j'étais venue voir Loulou pensant que c'était pour la nouvelle année. Alors j'étais parlé à Loulou et je lui ai dit, tu sais, tu vas avoir une surprise, il y a Jacques et Bernadette sont là. Ils sont en train de faire campagne dans le coin là, à Rueil. Alors ils ont dit, on va aller dire bonjour à Lynn et Loulou. Mais le plus fort pour moi, l'enterrement de Loulou à l'église, Jacques et Bernadette et Claude sont entrés les derniers. À droite, vous avez la politique, les VIP, tout ça. À gauche, il est écrit « Famille ». Donc Jacques est dans l'allée centrale, il est tourné à gauche, côté famille. Nous sommes deux ou trois jours avant le procès sur les emplois de la ville de Paris. Le procès très attendu de Jacques Chirac a donc commencé aujourd'hui. Je vais le chercher à son bureau, monte dans sa voiture et nous venons ici. Il est fatigué, inquiet, préoccupé. Et Jacques, il me dit, je ne comprends pas très bien ce qu'il me cherche. Et puis tout le dîner, on n'a pas parlé. Mais je savais qu'il avait besoin que ses amis comme moi soient là, qui par sa seule présence le comprenaient. Ces silences, cette pudeur, c'est toute l'histoire de Chirac. Un homme secret qui a toujours gardé sa part de mystère. Je crois qu'il faut avoir des jardins secrets. Ne serait-ce que pour éviter que tout le monde vienne les piétiner. Je ne sais pas qui est Chirac. Je ne sais pas vraiment. C'est un homme d'ailleurs qui ne se livre pas. Quand on veut s'introduire dans son intimité, c'est toujours avec beaucoup de précaution car il ne vous répondra pas. Plusieurs fois, je lui dis, monsieur, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Attends, il m'envoie balader. Pas ces questions-là, ça n'intéresse que lui. C'est dans ma nature. Chirac a toujours été secret. Mais libéré de son obligation de réserve, il a pu paraître parfois surprenant. J'ai un certain caractère. En 2011, quelques mois avant l'élection présidentielle, les micros captent une petite phrase qui ne va pas plaire à tout le monde. Dans cette fameuse scène qui est bien connue, où on voit, où nous sommes au musée Jacques Chirac, ouais. À Saran, et il dit cette phrase. Est-ce que j'aime bien Jules Blais ? Oui, oui. Par respect, je lui dis attention, il y a une caméra. Il y a une caméra ? Je vote Hollande. Vous allez vous faire entendre ça ? Je peux dire que je voterai Hollande. Ensuite, je pensais que c'était une forme d'humour, mais au fond de lui-même, je savais qu'il avait en tout cas cette estime et je lui en suis très reconnaissant. Deux jours après, je suis avec Chirac et je lui dis dites-moi. Est-ce que c'est un dérapage ? Est-ce que c'est une boutade ? Est-ce que c'est l'humour corrézien ? Pas du tout. C'est mon intention. C'est mon intention. Je ne peux pas voter Sarkozy et je voterai Hollande. Deux ans plus tard, c'est aux côtés de François Hollande, chef de l'État, que Chirac fait sa dernière apparition publique. C'est encore au Quai Branly. Les Français découvrent leur ancien président souriant, mais affaibli. Et puis la maladie est arrivée. Alors, est-ce qu'il s'en est rendu compte ? Je ne peux pas vous répondre à ça, parce que, encore, on revient à ça. Il ne parle pas de lui et de ses souffrances. Mais j'ai le sentiment qu'il percevait qu'il n'était pas dans la forme
de jadis. La maladie, hélas, a fait que progressivement, un mur s'édifie entre lui et le monde extérieur. Et donc moi, oui, on le voit. Mais pour moi, le mur n'est pas un obstacle pour que je ne vienne pas le voir. L'autre jour, c'était amusant parce que on dit la conversation, il entend le mot loulou. Claude me parlait par de loulou. Et donc, Jacques fait loulou. Alors, Claude lui dit, oui, tu te souviens de loulou? Et Jacques fait, loulou Gasset? Formidable. Alors que, non, moi, je le trouve superbe. Pour moi, c'est toujours mon Jacques. Même le jour où il ne me reconnaîtra plus, je continuerai à venir le voir parce que c'est la façon pour moi de lui témoigner ma reconnaissance et mon affection.